Alors ici on a le petit Stampede sur lequel je n'ai pas encore fait toutes les modifications que je voulais. C'est en cours. Donc on va voir comment il se maintient par rapport au max. Alors, il est temps de refaire la ligne pour le Stampede. On va essayer de la faire droite cette fois-ci. Et on va essayer de passer la fosse avec le Stampede. Donc le Stampede, là, il est en 3S, donc c'est puissance maximale autorisée sur le Stampede, moyennant quelques renforts, donc les cardans en métal, capuchon, amortisseurs en métal que je n'ai pas encore mis, je les ai à la maison mais je les ai pas encore mis, et aussi ouais, les porte-fusées je vais les mettre en métal aussi parce que c'est pas cher sur AliExpress, donc c'est pas nécessaire mais je vais le faire quand même, et puis bon, on verra ça en plus en détail à l'atelier. Bon, alors on croise les doigts, on essaye de garder la ligne et on essaye de passer la fosse là qui fait quand même qu'il y a plus qu'un mètre. Hein. Donc la fosse là, bon, on va partir de la crête du saut. Hop, 1, 2, 3. Voilà, elle fait un bon 4 mètres. Hein. Un bon 4 mètres. Allez, on y va. Donc le Stampede plus petit, plus difficile pour garder sa ligne. Bon, je le fais doucement au départ. On va lui faire faire le grand saut. Donc là, il a pris une vieille souche qu'il a fait décoller. Ah ouais, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas sur la ligne, tout simplement. Jam jam, reste un peu sur ta ligne, bordel. Excusez-moi. Reste un peu sur ta ligne. Boudjou de boudjou. Et tout ira mieux. Bon, allez, on recommence. Allez, passage de la fosse.
paraît que je peux même faire un flip. Donc ça sert à rien d'aller trop vite. Il faut garder la ligne. Et comme le sol est glissant, accélérer progressivement pour arriver à une bonne vitesse. Nickel! Bon, prochain, je fais le flip. Hein. Enfin, je sais pas si ça va aller pour faire le flip parce que je suis déjà à fond de puissance, évidemment, avec ce petit engin en 3S. En fait, quand on fait un flip, toujours garder une réserve de puissance pour pouvoir le faire. Mais bon, là, en gardant la main sur la gâchette, on va essayer ça. Ça se casse la gueule, ça se casse la gueule. Ce sera pas bien grave. Ce sera pas la première fois ni la dernière. Et voilà, il est passé. Jam jam. Ah, content, hein, content le Stampy. Il a fait son flip, il est content. Les branches, ils sont fous. Monster Truck. Le tour de l'arbre. On passe dans la forêt. Bon, ben, je ne saurais que trop vous conseiller un Stampede pour vos enfants. C'est une machine qui tient bien le coup. Qu'on peut trouver pas cher d'occasion. 200-250 euros. Gardez 50 euros pour des modifs. Renforcement, puis vous êtes tranquille. Ouais, une petite carreau incassable aussi, hein, pourquoi pas. Mais bon, en renforçant la carreau d'origine, ça peut passer aussi. Donc le point faible, c'est ici sur les carreaux d'origine, c'est la benne comme sur les X-Max. Mais il suffit de mettre un Lexan en dessous, un Lexan au-dessus, et vous êtes tranquille, ça tient bien le coup. Oh, moi j'ai trouvé. Cette petite carreau incassable qui lui allait bien, donc j'ai craqué dessus. Oh, on va le faire comme ça une fois. Why not? Loin, hop 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 hop. Alors, bon, vous voulez le backflip de face, les gars, hein, vous sens bien venir, ok, je vais vous le donner. Le petit Stampede. Et voilà, youhou, ça passe sous sol.
Oui, dans les modifs obligatoires aussi en 3S, évidemment un ventilo sur le contrôleur. Puis le moteur peut-être aussi, là, il faudra que je vérifie la température. Bon là ça dépend aussi comment vous roulez, sur quel terrain, etc. Toujours pareil, si vous amusez à faire des lignes droites tout le temps à fond, il faudra un système de refroidissement plus efficace. On a pris un petit peu de branche. Eh ben, très fun ce Stampede. Bien content. La souche. Faut savoir qu'en 3S avec les rapports d'origine, cette petite bestiole, elle fait 70 km/h. Ouais. Donc c'est une vitesse. Trop élevée, trop élevée pour moi. Que je vais pas m'amuser à faire des speedruns avec cette machine. Je voudrais plutôt avoir une bonne autonomie dans les bois, moins de chauffe. Et donc on va essayer de réduire le rapport de transmission si c'est possible. Un pneu dans le pneu. Thank you.
ouvrir le capot, vérifier un petit peu ce qui se passe là en dessous. Déboucher le ventilo sinon ça va se réchauffer. La batterie est chaude, mais ça va. Moteur très très chaud. Le vario, ça va. Il faudra que je prenne la température du moteur, un de ces quatre. Ce qui se passe avec. Alors pour les Stampede, la température moteur à ne pas dépasser est de 200 degrés Fahrenheit, ce qui fait 93 degrés Celsius. Donc le Stampede, moteur du Stampede, ne pas dépasser 93 degrés Celsius. Et pour les Français, c'est encore différent, ça fait 93. Cette fois-ci, on ne me fera plus la remarque. Oh, t'es belge, t'as dit 93. Bah oui, je suis belge, et alors 93 degrés donc, à ne pas dépasser sur le moteur du Stampede.